Oui, déjà de la grande douceur, hein, notamment sur les trois quarts du pays. Finalement, toutes les régions de France ou presque sont concernées par cette grande douceur, avec localement 20 degrés à Nice actuellement, 16 degrés en moyenne à Dunkerque, à Vannes ou encore du côté de Paris. Ce sont des températures qui restent exceptionnellement douces pour la saison. Et la journée s'annonce une nouvelle fois estivale aujourd'hui, avec le maintien de la chaleur. Donc déjà de la grande douceur ce matin. On retrouve également un temps plutôt clément, avec néanmoins un petit peu de brouillard si vous êtes du côté de Nantes, de Romorantin ou encore de Bordeaux. Le temps est assez mitigé ce matin. Beaucoup de nuages sur la façade ouest ou encore près des côtes de la Manche. On retrouve également quelques entrées maritimes autour du golfe du Lion et un temps assez brumeux entre la côte d'Azur et la Corse. Dans l'après-midi, petit à petit, les brouillards vont se dissiper. On va néanmoins retrouver un temps un petit peu plus nuageux entre la Bretagne et le nord-est, avec également le retour d'un petit peu de vent près des côtes de la Manche. Toujours un ciel laiteux voilé entre la région PACA et la Corse. Partout ailleurs, du grand beau temps. Côté température, grande douceur matinale, je vous le disais, avec localement 15 à 16 degrés sur le nord ou encore 14 degrés pour le Pays Basque. Et dans l'après-midi, les températures s'envolent. On a battu des records de chaleur hier. On va de nouveau peut-être battre des records aujourd'hui avec des températures estivales. 31 degrés le long de la Garonne, 29 degrés à Limoges ou encore à Clermont-Ferrand, 26 degrés à Paris et en moyenne 28 degrés en Bourgogne. Nous vivons un début de mois d'octobre exceptionnellement chaud, avec cette chaleur qui va d'ailleurs se maintenir au moins jusqu'à vendredi, avant le retour de cette perturbation prévue samedi. Et les températures vont chuter la semaine prochaine.